Bonjour à tous et bienvenue sur Gamingosaurus, je suis Dino et je serai votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2, où on se retrouve toujours avec notre roi Sancho, le confesseur de Castille. Et donc c'est parti, donc on va réaugmenter le temps. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquillement. Donc on se rappelle un petit peu les événements, on avait conquéri des territoires musulmans. Malheureusement, on s'était mis de côté les royaumes de nos frères du fait qu'ils ont maintenant des héritiers et que ça fait beaucoup de monde à tuer pour pouvoir récupérer les royaumes. Donc on revendiquera directement le royaume via nos revendications, puisqu'aujourd'hui on est largement plus puissant, sachant que lui en plus veut nous tuer, on pourra le mettre sous des barreaux. D'ailleurs, on va voir s'il n'y a pas, non, y a pas moyen. Je sais pas pourquoi il veut nous tuer, hein. Personnellement, on n'en a pas à pas sa vie. Donc, allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va voir si on peut attaquer les... Ah, parfait. On peut attaquer pour Cordoue ou pour le Dounouni d'Emira. Donc, Cordoue nous apporte 2. Le Dounouni d'Emira nous apporte 2, donc ouais. Moi, allez, on va prendre le premier, on va prendre Cordoue. Donc Cordoue, ici. Eux, on va leur faire la guerre, on ne peut pas. D'accord? Eux, la guerre. Hop. À la guerre, comme à la guerre. Toi, t'es chez moi. Excusez-moi, il y a Skype qui vient de s'ouvrir. Alors, eux font partie du royaume d'Aragon. Donc malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Donc on va d'ores et déjà fabriquer des revendications. Puisque Aragon, j'aimerais bien qu'il fasse partie de mon royaume. Et qu'il ne soit plus indépendant. Après on ira chercher Barcelone. Puis Navarre. Puisqu'on a, rappelez-vous, aucune revendication sur eux. Donc on regarde niveau religion. Oui voilà, on a ici à convertir. Puis après on a tout ça. Donc, par la suite, peut-on leur déclarer la guerre? Oui. Oh, donc à faire, on va faire tout le monde. Hein. Hop. Sauf eux qui sont attaqués par les Almoravides, qui sont assez grands et j'aimerais pas y frotter pour l'instant. Donc hop, on va appeler à la guerre, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, je m'en fous, mais bon, c'est pour le principe. Hop, voilà, on va lever nos unités. Donc ils sont pas trop vénères, si, -21, bon, c'est la merde. On va essayer de... Voilà, on va se rejoindre. Ah, ils viennent tous. Ah, ça va être cool. Sauf toi, parce que t'es un enfoiré. Allez. C'est parti. Au comte de Tolède a hérité. Oui. On s'en fout. Ah, toi? What? Ah, toi, tu peux pas. Ah, d'accord. Ah, t'es comme ça. Et lui, j'aimerais bien tuer tous ses enfants pour récupérer son royaume, en fait. Mais c'est... C'est vrai que c'est cruel en soi. Mais la cruauté, on s'en fout. Hein? Il faut être cruel pour pouvoir régner. C'est un des traits les plus importants, je dirais. Et ils ont appelé qui? Ifrikaya. Ils ne sont pas dangereux, c'est pas grave. Mais eux, ils le sont un peu plus, hein, mais c'est pas grave. Normalement, on a concrètement rien à craindre. Oh putain. Là, vous venez de voir que les Almoravides ont récupéré ceci. Ce qui veut dire qu'on va devoir s'attaquer à cette grosse puissance qui a quand même 6000 unités. Bon, c'est rien comparé à ce que nous avons, hein, disons-le nous. Mais malgré tout, bah, ça reste assez gros. Voilà. Alors voilà, une bataille durement menée qu'on a tranchée à coups de sabre. Donc là, concrètement, maintenant, on va rouler sur tout le monde. Hein. Ça... Ah, ils ont changé, tiens. Avant, c'était une épée rouge. Oui, il y a eu quelques petites modifications sur le jeu, hein, mais rien de bien méchant. Donc, enfin, rien qui vaille la peine vraiment de... Rien qui vaille vraiment la peine. Alors... Voilà. Je vous laisse profiter un petit peu du son, hein, parce qu'on peut rien faire en fait. C'est juste, on est obligé d'attendre que ça descende le siège. Hein.
Voilà. On a conquis un petit comté. Bon, allez, on va accélérer un petit peu les choses, hein. Hop. On va trancher dans le lard. Est-il... Merde! Je voulais voir si c'était un hérétique et du coup j'ai mis directement la réponse. Donc là on va... Oh non, pas malade! Oh non, allez! C'est pas grave la grippe. Tout le monde a la grippe. Ah voilà, on vit. Voilà. On va attendre encore un petit peu. Donc pendant ce temps-là, on a bah, le moignon qui descend. Hein. Malheureusement, on peut pas faire mieux. Hein. On avait récolté un petit peu d'économie. Donc on laisse un petit peu tout ça descendre. Alors parfait, Cataloyud est devenu catholique. Donc ensuite on va hop convertir ce comté qui est musulman, qui est sunnite, pardon. Voilà, hop, 82%. On va essayer de trancher dans le lard. Hop, 87. Voilà, pour 1067, je pense qu'on va trancher. Voilà, c'est rapide. Hop, 96%. Hop, vous remarquez le nombre hein, quand même. On était à 1400 au début. Allez, 100%. Hop, une guerre en moins. Plein de territoires à redonner. Hop. Hop. Eh, j'ai dit hop. Voilà. Elle dit donc ma souris qui a un petit peu de mal, hein, mais c'est pas moi, hein, c'est la faute de la souris, bien sûr. Hop. Hop. Et hop. Donc du coup, on va continuer sur eux, pour leur casser la gueule. On va éduquer notre enfant. Hop. On va libérer le prisonnier. On va voir s'il n'y a pas des gens à qui donner des comtés. Toi, à mon avis, non. Toi, non. Alors, toi, et c'est tout. Hop. On va lui donner ça. On va lui donner ça. Et pour les autres, ça attendra. Allez. On va taper sur eux. Oh, j'ai dit, on va taper dessus. Voilà. Maîtrise des terrains plats, je préfère. Donc ensuite, on va aller voir eux là, parce que ça fera toujours du truc en moins. Ah, parfait. Un comté converti. Hop. On part pour un deuxième. Voilà, on va les trancher. Bon, c'était un soulèvement, bon, on fait un peu leur taf, mais c'est pas grave. Du coup, eux, on va aller les chercher aussi. Mouret. 100% direct, c'est pas mal. Hop. Il reste plus que. Voilà. Malheureusement, on va pas pouvoir trancher. Et on est en déficit. Donc on va demander de l'argent aux usuriers juifs. Hop. Parce qu'on n'a plus trop de thunes. On va éduquer notre gamin. Du coup, on en profite. Il nous en faut trois. Trois nobles. 1, 2, 3, hop. Toi, Murcie. Toi, Evora.
Et toi, Lisbonne. Voilà, comme ça c'est réglé. Eux, on va aller leur trancher la tête. Ouais, enfin, s'ils le veulent. Ouais, tu vas rester en place, oui? Oh, bordel de Dieu. On meurt. Hop. Merde, une hérésie. Donc les hérésies toujours plus importantes à régler avant l'infidélisme. Parce que ça crée plus de régiments, il me semble. Donc voilà, pas mettre, hop, tranquillement. Donc on remarque par contre que notre frère est en train de se faire défoncer dans sa rébellion. Une rébellion pour diminuer le pouvoir de la couronne, donc ça nous intéresse pas trop. Je pense pas que j'irai. J'ai pas d'intérêt. Moi ça m'arrange, hein, personnellement. Si le pouvoir est moins fort, j'aurai moins de problèmes quand je les conquerrai. Parce qu'ils auront moins d'unités. Je me sens plus compliqué. Ouais, ça c'est pas grave. Ah, mon épouse? Ah, d'accord. Et mon maréchal? Mais quel enculé! Ah, il s'est tapé mon épouse. Ah, c'est mon meilleur guerrier, il se tape mon épouse. D'accord. Ah, bah bravo. Ah, bah j'aime bien ça. Oh putain. Je peux pas le mettre en tôle. Hein. Ah, t'as de la chance. Hein. Par contre, toi, est-ce que je peux divorcer? Hop. Divorçons. Voilà. Parce que c'était une connasse. Hop. Comtesse de la Marche, non. Princesse de l'Empire. Princesse du Saint-Empire. Ça peut être intéressant. Le Saint-Empire qui est pas très loin, hein, qui est juste ici. C'est plutôt pas mal. Trop de possessions. Oui, non, mais ça viendra avec le mariage. J'ai une fille avec qui? Ah bon? Donc on la légitime, non? Tant qu'à faire. Et hors de question qu'un enfant prenne pour les exactions de ses parents. Le pape n'est plus, vive le pape. Allez. Comté de Méritola, ben on va le redonner. Inviter un noble. Hop. Méritola, à toi. Donc ça conquiert, ça conquiert. Voilà, un enfant éduqué. Voilà. Malheureusement, on peut pas trancher, on a trop peu d'unités. Et j'aimerais faire attention quand même à cette puissance-là qui commence à descendre. Ça reste dangereux. Oh merde, bon bah je suis obligé de sacrifier cette baronnie parce que sinon j'ai toujours pas cette place. Bon, c'est qu'une baronnie, hein, c'est pas un comté. Voilà, les Germains qui nous demandent. L'antipape impérial et la déposition. Malheureusement, on peut pas vous rejoindre, je pense. Attendez, on va voir comment ils s'en sortent déjà. Bah, de toute façon, on perd rien à refuser. Bon. Oh non, mais ils sont en train de perdre de partout. Moi, j'y vais pas. Hein. C'est trop casse-gueule. Hein. Voilà, on va attendre toujours. Donc, apparemment, c'est la merde. Hein. Les Anglais qui ont décidé de défoncer le Saint-Empire, et apparemment, ça marche, du fait qu'ils ont un antipape. Donc, on devrait bientôt avoir la fin de l'antipapauté. Et je crois avoir vu quelque chose d'intéressant. Non, ça. C'était pas intéressant en fait. Voilà, toujours, hop, ça descend. Voilà, on va laisser descendre encore un petit peu et après on devrait être à 100% normalement.
Donc oui, ça devient assez long. C'est vrai qu'on a eu un début assez dynamique, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Mais une fois que vous passez un certain stade, en fait, eh ben ça va tout de suite, pas mieux, mais c'est tout de suite beaucoup plus long. C'est du fait que, bah, tout simplement, vous avez moins de choses à faire, hein. Que je peux lever des troupes. Passez pas par là, vous allez vous faire défoncer. Pareil. Non, c'est pas moyen. Alors, nouveau royaume, le royaume turc. D'accord, bon, ça nous concerne pas trop, hein, c'est loin. Ah, donc on n'est pas à 100%, donc on va aller défoncer cette troupe-là. Vite fait, bien fait. Hop, allez, chopez-les. C'est bon, on les chope. Et voilà, on est à 100%. On va s'occuper de la rébellion qui vient de se déclarer. Donc là, on a deux nouveaux comtés à donner. Hop. Voilà, donc deux. Un, deux. Faudra penser aussi à rembourser ce qu'on a emprunté, hein, parce que. C'est important de le faire, sinon on va avoir les usuriers juifs au cul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre toutes les unités et qu'on va tous les remonter. Hop, et qu'on va tout rassembler au niveau de Navarre. Comme ça, on va avoir la possibilité normalement d'écraser leur rébellion. Donc on attend que ça se passe. Voilà, donc là on a plus de 10 000, on a plus de chiffres qu'eux. Normalement, on les écrase. Hop, c'est parti. Leur allié n'a même pas bougé. Voilà, il bouge à peine, c'est trop tard. L'unité a été massacrée. On va faire la même chose ici. Hop. Massacre. Voilà. Et donc on est à 100%. C'est cool. Donc là maintenant le but ça va être de rembourser tout ce qu'on a emprunté. Donc on a 350 à rembourser. Donc eux, j'ai dit non. Eux, bah j'ai dit oui. Mais je vais pas y aller, parce que j'ai pas assez d'argent. Ça, c'est un problème. Donc, ma cousine cherche à me tuer, putain. Ils veulent tous me buter, hein. Donc, on a tout intérêt à ce qu'elle crève. Hop. Rejoignez mon complot, qu'il est beau mon complot. Non, pas de stress. Voilà. Voilà, donc là on voit les finances qui commencent à remonter, hein. 15, c'est pas mal. Donc malheureusement, bah, on est toujours la cible de ces enfoirés. Je sais pas pourquoi ils veulent tous ma peau, hein. Parce qu'en plus on a deux fils, on a même trois fils, donc niveau héritage, on n'a aucun problème. Donc là, j'espère qu'ils vont se faire massacrer. Alors, mon premier fils. Oh, les caractéristiques de merde. Bon, tant pis. Alors, à qui vas-tu être marié? Princesse de l'Empire byzantin, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, hein. C'est quand même plutôt bon. Ou alors, on peut s'assurer le Saint-Empire dans la poste. Dans la poche, pardon. Ou alors, Aragon.
Non, on va s'assurer Aragon, je pense. Bon, c'est de la consanguinité, encore une fois, mais on va s'assurer Aragon. Ah, voilà, les caractéristiques qui sont meilleures hein, grâce à son titre. Donc, on a un bon héritier, ça va, franchement, j'ai pas à me plaindre. Donc, Aragon, du coup, on va arrêter de fabriquer une revendication. Peut-être la phare sur Navarre, je pense. Navarre, sur qui on peut. Si, pour un vassal. Oh merde, bah du coup, il va falloir que je change. Ça, c'est dommage, ça. Alors, peut-on leur faire la guerre? Non. Ça fait partie de ça. Barcelone aussi qu'il faudra conquérir. On vient de le faire. On vient de le faire. J'ai pas envie pour l'instant. On va éviter. En fait, on va éviter tout simplement puisqu'on a les vassaux qui sont mobilisés depuis trop longtemps et on a un gros malus. Et on va attendre, voir si notre complot peut marcher. Et on rembourserait notre emprunt. Donc on va tout simplement attendre, oui je sais, c'est pas très drôle, mais on n'a pas trop le choix. Malheureusement. Donc de quoi est-ce que je pourrais vous parler? Alors la série que j'avais prévue sur la bibliothèque, en fait, je pense qu'elle ne verra jamais le jour. Tout simplement parce qu'il y a des jeux trop vieux qui ne fonctionnent plus. Enfin, qui ne fonctionnent plus. Qui ne sont pas recordables. Et ça, c'est un gros problème. J'ai essayé, hein, mais des fois ça plante. Des fois ça ne se fait complètement pas. Ah voilà, elle est morte. Elle est décédée de grand stress. Bah ça tombe bien, c'est celle qui voulait me tuer en plus. Donc on va à nouveau. Hop, un noble. Ah, j'ai récupéré pas mal d'argent, hein. Je peux rembourser mon emprunt. Ah non, c'était pas la même. Hop, on va rembourser notre emprunt. On va te dédier un titre. On va éduquer notre neveu. Et on va encore attendre. Merde, ça n'a pas fonctionné. Donc on va éduquer notre neveu encore. Ah bon? Je sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a pénurie. Donc là, on n'a plus trop de finances, mais ça va remonter. Là, normalement, ça devrait bientôt se terminer. Avec un abaissement de l'autorité royale. Donc là, on est à fond. Où ça? La colonne du centre. Qu'est-ce qu'on a intérêt à augmenter pour l'instant? Pas grand-chose. Donc on va pas augmenter, on va conserver nos points. Calatrava. Donc nous, on se rappelle, on était ici. Donc là, on a dit que ça servait à rien, on peut déjà le faire. On va attendre que le personnage meure, tout simplement. Ce n'est pas un hérétique. Puisque quand le personnage sera mort, ça deviendra un parent qui prendra sa descendance et non plus un cousin. Donc on n'aura aucun malus à attaquer un parent, alors que là on a un malus à attaquer un cousin. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie d'avoir des malus. Oh, je suis devenu infirme. Bon, bah, je suis trop vieux, mon personnage va bientôt claquer. On va dire oui pour pas perdre. Un petit-fils, donc on a déjà la descendance. Ma belle-fille est décédée. Ah, déjà. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a moyen de récupérer l'alliance qu'on avait avec Aragon? Oui, tout à fait, et encore meilleur qu'avant. Donc là, ils se font écraser. Non, oui, non, 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 ils ont gagné. Bon, moyennant quand même une certaine perte. Hop, un mort, le chapelain. Bah, tout simplement, bah, retourner. Hop. Donc, je pense qu'il va être temps de bientôt. Ni deuxième, ni troisième. D'accord. Donc, un nouveau noble a des. À faire. Voilà. Donc là, oui, il y a un temps creux, un temps mort, assez dérangeant, mais bon, on n'a pas trop le choix.
malheureusement. Il faut attendre. Donc normalement, vous devez aussi avoir eu quelques vidéos sur Hearthstone. J'espère qu'elles vous plairont. Je vais aussi commencer à vous faire les bras de fer de chaque semaine. Et il y a bientôt la nouvelle extension qui arrive, donc... Ah d'accord, donc Aragon s'est fait détrôner par le roi de Barcelone. Donc c'est maintenant où on va faire nos revendications. Parce qu'on a tout intérêt à aller le défoncer. Donc oui, je vous disais, sur Hearthstone va bientôt arriver la nouvelle extension. Donc à cette occasion, je vous ferai une sorte d'unboxing entre guillemets pour pouvoir vous faire découvrir les nouvelles cartes, puisque j'ai quelques économies de côté. Je dois avoir 1600, 1700, donc ça me permettrait de faire un unboxing de quelques comment dire, de quelques paquets de cartes. J'espère pouvoir arriver facilement à 20. Comme ça, à 20, normalement, ça fait une légendaire. Normalement, c'est une légendaire tous les 20 paquets. Une épique toutes les 5. Donc, ça devrait être pas mal. Donc là, on est toujours obligé d'attendre que ça descende. On a eu beaucoup d'actions avant. Les vassaux sont très mécontents. Malheureusement. Ma femme est enceinte. Oui, cool. Je vous invite à ma cour. Ça fera toujours un homme de plus. Voilà, donc elle est morte. Ça fait déjà un enfoiré de moins. Un enfoiré qui veut mon trône de moins. Donc toi, tu mourras jamais. Toi, il y a des chances. Il y a des chances, on va faire grimper. Voilà, il y a moyen de moyenner. De monnayer, pardon. Il y a moyen de monnayer ta mort. Ouais, ça fait bien 100%, là. Allez, voilà. Donc on va essayer de récupérer le royaume tout simplement par assassinat successif. Donc ce serait pas mal. Pouvez la voir, ça serait... Oui, non, mais je légitime, il n'y a pas de problème. Avoir plus de filles, c'est bien. Donc là, on a moins un de santé, mais on se rappelle qu'on a le plus un. Donc c'est assez dérangeant. T'as des troupes morales, t'as des troupes. J'ai encore une fille, donc ça tombe bien, j'aurai beaucoup de filles. Oh non, on est descendu dans complot, chier. On est descendu à 92%. Bah toi, pourquoi tu voudrais pas? Explique-moi. On a plus 3, avec un petit cadeau, tu voudrais bien. Allez. Non. Scrupule, réticence de base, c'est une blague. On a 5 plus pour 2 mois et il veut pas. C'est quoi ce dawa? Sans rec. Bon ben en attendant, on doit toujours faire descendre ces moins 21. Ce qui est assez compliqué. Donc oui, c'est long, oui, c'est chiant, mais bon, j'ai pas voilà. J'ai pas les moyens de faire plus vite, hein. J'ai déjà l'ordi qui tourne à fond pour le faire. Donc son fils se cache. Lequel? Celui-là? Ah merde. Donc ça fait quoi? Donc en attendant, bah, on a réussi à convertir notre comté. Voilà. Mais ça fait assez chier qu'il se soit caché. Ça veut dire qu'on peut pas... on peut tout simplement pas l'assassiner.
Donc toi, toujours avec tes guerres, mais tu m'emmerdes avec tes guerres. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de te filer toi? Étant donné que ta femme est trop vieille, on prend moins de risques. T'auras jamais d'enfant. Et en plus, t'as de fortes chances de crever. Beaucoup de monde veulent te voir mort, même ton mari veut te voir mort, bah alors là. Alors là, j'allais te dire, c'est la fin du monde. Voilà. Donc on terminera l'épisode quand on aura réussi à récupérer l'un des deux royaumes. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. Donc on va continuer à œuvrer pour que ça se continue. Un fils, oh, un fils vif, mais malin vif. Ce serait bien que lui meure. Parce que lui, nul. Complote pour vous tuer, oui, on le savait déjà, je te remercie. Donc voilà. Allez, le complot qui se met en place. Allez, on veut le tuer. On va la tuer. On a deux gosses à tuer, puis le mec à tuer. Donc ça avance, ça avance. J'espère que ça va aller assez vite. Donc les guerres, on peut toujours pas. Malheureusement, trop de problèmes déjà au niveau du royaume. Mon neveu s'en bat les couilles. En plus, la mort nous guette un peu plus chaque jour. Donc lui est infirme. D'accord. Son gamin, est-ce qu'il le cache toujours? Non, il a fini de le cacher. Moi, je ne me cacherai pas. Hein. Je resterai. Fidèle à mon poste, fidèle devant l'envahisseur. Donc j'espère que tu vas vite crever, toi. Même ton mari veut te voir mort, alors tu vas peut-être mourir. Non, tu veux pas mourir? Oh, ma réputation. Oh, chier. Bon, ça se fait que c'est découvert. T'es pourtant pas un alcoolique. Malheureusement, bah, c'est assez long. Donc, mon pardon. Mon épouse aussi veut me tuer. Ah, bah, on n'est pas dans la merde. Elle a dû être soudoyée, la connasse. Eh oui, je dis bien la connasse. Parce qu'elle a aucun droit sur ma mort. Hein. On vient de se marier. Certes, j'ai légitimé un enfant que j'ai pas fait avec elle, mais alors, en quoi ça la regarde? J'ai envie de te dire. Si j'ai envie de faire des gamins avec d'autres femmes, c'est mon problème. Il faut réduire les coûts. Ah, voilà. Réduire les coûts et faire des trucs qui valent cher. Ouais, mais non, c'est un peu trop cher. Pas déconner, normalement c'est 75, il me semble. La 70,2. C'est vrai que c'est réduit un petit peu, mais bon, pas des masses non plus. Donc bon, si en... Allez. On va dire en avril, il n'y a aucun mouvement. Je pense qu'on arrêtera l'épisode là pour pas que ce soit trop long à regarder. Donc là, ça continue. Toujours en rien. Toujours en rien, malheureusement. Voilà. Comté de Calatrava, donc on va hop. Un noble. Ah non, normalement, on avait récupéré un chasseur qui devrait servir à faire un noble. Voilà, mais on en a même plus d'un. Toi, qui es-tu? Je sais pas, mais t'auras un comté. Hop. Donc mars et avril approchent. Malheureusement, on n'a toujours aucun mouvement. Deuxième fils est devenu un habile intrigant. Lui, on va l'envoyer bien loin. Genre chez toi. Comme ça, il sera plus un problème. Ah, c'est vu qu'ils sont amputés pour leur dangerosité. Donc, ça va bouger. Donc, on est en avril, mais normalement, il devrait y avoir quelque chose. Positif ou négatif, je ne sais que fout la France ici.
dans la France qui attaque Gênes et qui passe par chez nous, va nous falloir recommencer. Mince. Donc c'est là-dessus malheureusement qu'on va s'arrêter avec une belle vision de ce que devient le monde. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus sur le Gamingosaurus.